Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tout petit haul. Alors, vous allez l'entendre, donc je préfère vous le dire, je n'avais pas prévu de filmer de vidéo, mais je n'avais pas prévu de sortir cette semaine. Je me suis fait un deuxième piercing à la langue, oui, je suis folle. Alors voilà, je veux pas de commentaires sur c'est moche, c'est machin, ça sert à rien. Moi, ça faisait longtemps que je voulais pour le côté esthétique. Donc je zozote tout simplement parce que je l'ai fait il y a 2 jours, que ma langue est super gonflée et que les barres sont très très grandes, puisque il a dû également me changer la première barre de mon premier que j'ai fait il y a 10 ans. Parce que la langue gonfle partout. Donc j'ai encore un peu de mal à parler pour la langue qui est gonflée et les grandes barres. Mais voilà, quand tout sera dégonflé et que les barres seront changées, voilà, il n'y aura aucun souci. Donc je vais essayer de m'appliquer, je vais essayer de ne pas baver et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai peut-être une vidéo sur mon expérience de mon deuxième piercing quand tout sera bien dégonflé, etc. Je vous le montre juste 2 secondes si ça vous intéresse. Voilà, bref, alors un tout petit haul puisque lundi je suis sortie, donc en partie j'ai fait mon piercing, mais je suis sortie avec ma soeur et une copine, et nous sommes allés un petit peu vadrouiller à droite à gauche, et elle a absolument voulu aller à Jiffy puisqu'il y avait de la vaisselle Disney, et je voulais absolument vous montrer. Alors j'ai pas pris tout ce qu'il y avait, j'ai pris ce qui me plaisait tout simplement. Bon, tout me plaisait, mais je me suis un peu raisonnée. Pour les prix, je peux pas trop vous dire, ça tourne aux alentours de 1 et 3 euros à peu près. Alors, j'ai pris cette petite tasse là, voilà, la fée clochette, avec marqué Tinker Bell, toute transparente. J'adore les tasses transparentes et j'adore ce format de tasse là. Alors pas pour le matin, parce que le matin j'ai tendance à prendre un peu plus de cappuccino ou de café, mais pour le café en journée, que je bois en journée, voilà, entre le matin et le midi ou l'après-midi, enfin bref, en journée, j'adore ce format de café là, en fait. Enfin, j'aime bien boire cette portion de café là. Donc voilà, et trop trop beau. Je crois que les tasses, elles étaient à 1 euro. De toute façon, tout est entre 1 et 3 euros. J'ai pris le petit bol pour aller avec. Alors chez moi, je n'ai que 2 bols, un tout marron et un avec des princesses Disney. Voilà, on a que 2 bols chez nous parce qu'on s'en sert pas souvent, mais voilà, au moins j'en aurai un troisième. Donc en fait c'est le même modèle que la tasse, voilà, et trop beau, tout transparent. J'adore vraiment transparent quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite j'ai pris un espèce de, c'est comme une assiette bol en fait, Winnie l'ourson comme ça. Alors faut savoir que tout ça, ça passe au micro-ondes, hein, et au lave-vaisselle, il n'y a pas de problème. Donc c'est pratique, voilà. Je la trouve vraiment trop belle, les couleurs sont lumineuses. Alors ça, peut-être que c'était à 3 euros, c'est peut-être ce qui coûtait le plus cher, je sais plus honnêtement, mais bon, ça va, c'est pas excessif. Je la trouve vraiment super jolie. Si comme moi vous aimez les Disney ou que vous avez des enfants, ça peut aussi leur plaire, je pense. Ensuite, il y avait les assiettes. Alors c'est des assiettes format entre l'assiette normale et l'assiette à dessert, je dirais. En fait, c'est pas une assiette normale, même si là peut-être on dirait qu'elle est grande, mais non. Et c'est pas une assiette à dessert non plus, elle est entre les deux. Et en fait, j'adore ce format pour mes repas. Quand je veux avoir l'impression en fait d'avoir beaucoup à manger, je me mets dans une plus petite assiette. Et ce format-là est pas mal, je trouve. Donc voilà, Winnie l'ourson. Elle est trop trop jolie. Jolie. Oui, j'ai du mal avec les sons en i. Je suis désolée. Et Mickey Mouse. Alors il y avait Mini. Voilà. Il y avait sa chérie. Je ne l'ai pas prise. Je me suis dit on va pas abuser. Donc voilà. La dernière. La fée clochette. Elle est trop trop belle celle-là. Donc voilà. Donc c'est en ce moment. Je sais pas si c'est dans tous les Jiffy, je pense. Rayon, tout ce qui est vaisselle, verre, assiette, etc. Et dernière petite chose, parce que oui, j'ai pas fait énormément de folie. Nous sommes allés chez Mime, parce que ma soeur voulait aller chez Mime, et on a toutes les trois craqué avec sa copine sur la même paire de chaussures.
Mais alors d'habitude c'est pas du tout mon genre. Moi, je suis qu'avec mes Converse. Je ne vois que par mes Converse. Je pense que ça changera pas, mais celle-ci j'ai quand même craqué dessus pour changer un peu parce que ça fait un peu plus habillé que des Converse, mais elles sont méga confortables. Donc les voici. Voilà, elles sont donc marron foncé. Voilà, marron foncé. Et là en fait c'est ajouré. Je sais pas si vous allez voir, on voit ma main à travers. C'est ajouré. Voilà, avec des petites talonnettes en fait noires. Donc voilà. Et les lacets en fait passent derrière. Et voilà, vous les renouez devant. Voilà comment elles sont. Je les trouve mes canons. Et elles étaient à moins 50%. Donc leur prix de base était de 29 euros. Moins 50, donc ça les a fait à 14 et quelques. Et franchement, 14 et quelques, je sais pas. Enfin voilà, pour moi je sors pas souvent. Donc je pense qu'elles vont me faire pas mal de temps. Donc voilà, je les trouve mais trop canon. Et pourtant c'est pas du tout mon genre d'habitude. Mais en fait on s'est dit avec ma soeur et sa copine, on s'est dit que ça pouvait très bien aller avec un slim, qu'avec un short cet été. Enfin pas quand il fera canicule parce qu'on aura chaud, mais les soirs d'été avec un short ou une jupe en jean ou des choses comme ça, en fait ça peut aller un peu avec tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'avais dit que je ferais pas de vidéo cette semaine par rapport à ma langue, mais là on est le matin. Elle est toujours un petit peu moins gonflée le matin parce qu'elle s'est reposée toute la nuit, etc., etc. Donc je suis désolée d'avance si ça vous a un petit peu saoulé, mais comme là la vaisselle, je vais la laver et la ranger, je voulais absolument faire cette vidéo. Voilà, la prochaine vidéo, donc ça sera lundi pour le bilan et j'espère que ça aura dégonflé et que je pourrai un petit peu parler un petit peu mieux. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop, je suis désolée, mais voilà, je voulais quand même faire cette petite vidéo. Sur ce, donc dites-moi si une vidéo après, quand j'aurai tout changé, le bijou et tout vous intéresse sur est-ce que j'ai eu plus mal que le premier, etc., etc. Enfin, tout sur le deuxième piercing. Dites-le moi. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Je m'excuse encore. C'est horrible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.